Bonjour à tout le monde. Ça, c'est mon petit pommetier d'Olgo. Cette année, je fais un essai. J'ai laissé aller toutes ces fleurs-là. Puis, à moi juste ça, portez votre attention, regardez bien ça. Sur le nombre de pollinisateurs puis d'insectes qu'il y a ici, dont celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Tiens, regardez cette beauté-là. Puis, c'est rien, il y en a deux. Il y en a deux sur mon terrain en même temps. Il y a une coupe de scarabées. Il y a des petites abeilles natives d'ici. Ça, c'est en avant. Là, on est dans la patch de Rigan grec. Puis juste un petit peu plus loin, c'est le thym serpolet. Puis regardez-moi comment est-ce qu'il y a des insectes ici. Tiens. On va essayer de le retrouver. Ça, c'est toutes des abeilles. Des petites abeilles de chez nous. Pas que je vais être chauvin, mais c'est les meilleurs pour polliniser les plantes qui sont natives d'ici parce qu'ils ont évolué avec. C'est ces abeilles-là qui sont en fort déclin. Fait que plutôt que de... Ah, il est là. Il revient, là. Je pense que c'est pas ça, un sphinx oiseau-mouche, ou je me souviens plus. Il est juste là, je sais pas. Vraiment spécial. Il y en avait deux dans le gazon tout à l'heure. Tiens, regardez, c'est ça que ça donne. En passant, là, ça avec une petite tache rousse. Je vais essayer de m'approcher, ça. Ça, avec une petite tache rousse comme ceux-là, tu sais, il y a beaucoup d'espèces, mais il y en a une qui est en grande difficulté. Celle-là qu'on voit bien. Tiens, ça, c'est l'espace où il y a du thym. Il y a des guêpes aussi, un petit peu, des guêpes parasitoïdes. Tiens, regarde, on le voit bien. Il y a des guêpes parasitoïdes, il y a des dizaines d'espèces ici, là, présentement, qui sont en train de butiner. Il y a une grande, grande guêpe là-bas. Elle est là. Vraiment spéciale. Hop, j'ai pas pu la prendre, elle va trop vite. Il y a un petit peu d'abeilles domestiques, ça veut dire qu'il y a un apiculteur quelque part ici qui... Tiens. Ça veut dire qu'il y a un apiculteur quelque part ici qui a des ruches. Fait qu'il y a des mouches domestiques aussi qui sont opportunistes, sont là pour le sucre comme tout le monde. Donc, c'est ça l'essai que je fais pour conserver mes pollinisateurs ici. Puis, essayer de les aider au lieu de mettre du gazon. Donc, bonne journée à tout le monde. Tiens, j'en ai un autre beau, là. Ici, j'en ai un petit, mettons. On le voit bien. Puis ici, ça, c'est plus rare. Quand j'étais petit, il y en avait plein, plein, plein comme ça. Des thons avec le corps. Il y a une partie du corps qui est orangée, là. Puis aujourd'hui, on n'en voit presque plus. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée.